Et voilà, ça y est, mon coin où j'ai bivouaqué. Hop, alors, j'étais pas trop mal là. Alors, il y avait pas mal de pierres, mais ici, ça a été à peu près. Je suis pas sûr d'avoir filmé hier. Le problème, c'est un peu la course le soir quand j'arrive, parce qu'il faut que je m'installe avant le coucher du soleil. C'est plus facile. Regardez comme c'est sympa là. Je suis au bord de l'Allier. Et donc là, je vais en Cosne-sur-Loire. Ça va être peut-être mon étape la plus longue. J'ai environ 150 km à faire. Voilà, il est environ 7 heures. Et j'aimerais arriver pour 19 heures pour bien faire. Donc je vais pas chômer. Donc là, le vélo, vous voyez, il n'y a pas toutes les affaires parce que je les ai mis derrière le talus. Parce que là, je vais un peu galérer à le passer. Voilà, c'est par là. On voit pas bien, mais c'est par là. Allez, je continue. Et puis, je vous dis à plus tard. Ah, ici, un très beau pont. Vraiment sympa cette voie verte là. Là, j'en profite. Hein. Je viens de derrière là. Ça fait un petit bout de temps que je suis dessus. Et ça se passe vraiment bien ici. Bon bah dommage, j'étais sur un beau chemin là, je voulais passer. Enfin, je n'ai pas suivi le GPS, c'est de ma faute, ça me plaisait bien, mais regardez. Une barrière comme ça, là, c'est impossible de passer, je vais faire demi-tour, je vais re-suivre ce que dit le GPS, c'est dommage. Bon, j'ai pas beaucoup de batterie dans la GoPro, des fois ça se coupe, ça se recharge avec mon petit truc que j'ai installé. Mais je suis vraiment limite. Hein. À 24%, il me dit, mais là ça commence à aller un peu mieux. Tout à l'heure il s'est coupé alors que je parlais. Et ben on va. C'est dommage, je vais passer par là. Allez, à tout à l'heure. Enfin, j'ai enfin des beaux paysages. Depuis le début, c'était pas fameux. Et là, c'est enfin très joli. Là, je vais bientôt rejoindre la Loire en vélo. Donc là, je suis le un canal. Très agréable. Pour le moment, c'est que du bitume, du bitume, du bitume. Donc j'espère avoir pas mal de place, que j'ai beaucoup compté, mais je savais la première partie de cette journée, il y avait pas mal de dénivelé. Là j'en ai fait pas loin de 500 en 77 km. Donc maintenant ça va être bien plus tranquille. Donc là le truc par contre, c'est impossible de trouver une boulangerie pour le moment. Là ça me... Là il est 1 h. Hormis mes barres de céréales, mes compotes, mes prestagada, pas grand chose. Je peux pas manger un truc consistant. Après, j'ai bon morceau de fromage qui m'a passé Nano, mais sans pain, c'est moins agréable. Du coup, là, je vais à Cuffy. À Cuffy, peut-être trouver de quoi me ravitailler. Il me semble que Cuffy, c'est une des premières villes que je vais croiser. On verra bien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Là, je suis bien là. Là, je vais faire profiter un petit peu. Ah, c'est marrant, là je reconnais, je suis passé là l'année dernière quand j'ai fait la Loire en vélo. Tac. Hop. Je pensais que c'était arrivé un peu plus loin, mais non, c'était là. Maintenant, on va au bec d'Allier. Là je reconnais, je suis plus près que j'imaginais.
souviens qu'il y a un panneau cycliste pied à terre, mais comme l'année dernière, je ne peux pas le mettre le pied à terre. À moins qu'il y ait du monde, hein, mais s'il n'y a personne. Ah là, ça fait plaisir, enfin des beaux paysages. Donc là, et là je sais que bien sûr je ne vais pas faire la Loire en entier. Je ne sais plus. Ce Cosne-sur-Loire, c'est mon dernière étape de la journée. Mais je sais plus. Il y a un poisson dans l'eau, là, je sais pas, ça fait un bruit. Cosne-sur-Loire, ouais, c'est. Donc je crois que c'est encore sur la Loire. Parce qu'après, moi, ça sera direction Paris. Ah, il y a un feu rouge. Ah, c'est pour les bateaux. Donataire, voilà. Ouais, on va voir s'il n'y a personne. À l'arrêt là-bas. Que c'est beau. Bonjour. Mais il est relou. Donc je crasse pas la queue quand même. Hop là. Un magnifique passage. Puis il faut que je me trouve un commerce aussi pour acheter ma boîte de concert pour ce soir. Je me souviens qu'il y avait un truc à Cuffy, mais c'était un petit peu loin. J'avais été l'année dernière et ça montait un peu. Alors j'aimerais plutôt un truc sur la route quand même. En face comme c'est beau et voilà. Hop. Voilà. Hop. Que je fasse attention parce que par là j'aurais pas fait la même erreur que l'année dernière. Le bec d'Allier, c'est le bec d'Allier. Pourquoi je dis le bec? Le bec d'Allier, c'est là-bas. On peut y aller par là. J'ai toujours pas trouvé de boulangerie. En plus, plus l'heure, 13h, 13h10, des chances que ce soit fermé. Et voilà la petite plaque. Là, je suis au kilomètre donc zéro de la Loire en vélo. Hop, ça m'a rappelé des souvenirs.
L'année dernière, comme un abruti, j'étais parti par là. Alors qu'il faut aller par là. Si vous regardez ma vidéo, c'était le troisième jour, je crois, quand je suis arrivé ici. Et ben, j'ai fait un détour de pas loin de 50 km. Là, j'ai fait fort. Hein. Mon plus gros détour que j'ai jamais fait. Parce que comme j'aime pas faire demi-tour, je me suis dit, tiens, ben, je vais trouver un chemin plus sympa. Et donc, je suis passé effectivement par une autre route, mais je pensais pas avoir fait un aussi gros détour. Bon, je vais faire une petite photo et puis... Et puis du coup, comme ça, je pourrais dire que j'ai fait la loi intégralement, parce qu'il me manquait ce petit bout là, il me manquait environ 15-20 km de ce côté-là. Allez, tout à l'heure. Un petit bateau. C'est sympa, hein. Ça c'est la Loire en vélo, en bateau. La Loire en bateau, ça doit être sympa aussi, hein. Je suis sûr que ça plairait beaucoup à ma femme, ça, plus que le vélo. Ah là, il y a un bateau qui va prendre l'écluse là-bas. Pas ce problème. Bon, moi j'ai toujours pas trouvé de boulangerie. Hein. Mais bon, là c'est normal dans ce coin-là. On verra. Quand je trouve mon bonheur. Voilà, toujours sur la Loire, je l'allonge tranquillement. Un petit peu nuageux quand même. C'est surtout le vent qui me dérange. J'ai un petit vent souvent de face ou de trois quarts. Bien dérangeant. Toujours pas trouvé de boulangerie. À chaque fois que je trouve une boulangerie, soit elle est fermée, soit pour vacances. Là, ou alors carrément j'arrive dans un patelin. Trois boulangeries, les trois, les locaux étaient complètement vides. Et sinon il y en a une, la dernière là que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je me suis dit chouette, enfin celle-là je la connais. Je me suis dit, je me suis arrêté l'année dernière. Et j'y vais, ben non. Elle ouvre à 3h30. Voilà. Ah là, j'ai envie de manger, moi j'ai envie de manger un bon sandwich. J'ai pas une spécialement faim parce que j'ai pas mal de barres de céréales, j'arrive à combler le manque. Mais j'avoue que j'ai envie de manger un bon sandwich, quoi. Allez, tout à l'heure. Et voilà. J'ai enfin trouvé la boulangerie. À commencer. Un sandwich au beurre d'amande. Sandwich. Et un flan. Il est 15h36. Voilà, toujours le long de la Loire. Ça fait longtemps que j'ai rien dit. Là, il y a un petit pont sympathique. Hein, très court, mais... Là, avec un petit canal, un petit ruisseau. Hop. Bon, tout va bien, hormis le vent de face. Hein. Il me reste encore 13 km à faire. 18h moins le quart, largement dans les temps. Je suis content. Là-haut, enfin, c'est apparent à la GoPro, mais il y a le. Je crois que c'est Sancerre, le château. J'ai un doute. Hein. Allez, tout à l'heure. Voilà. Cosne-sur-Loire. Un beau petit pont. La Loire. Pas bien haute, hein. Je suis impressionné sur le chemin. Des fois, j'ai vu des panneaux pour dire qu'il y avait une crue. Notamment, on a vu en 2003.
Et quand je vois le niveau où c'est indiqué, c'est vraiment impressionnant. Ça paraît même impossible. Allez, à plus tard. Bon bah je me rends compte que je suis parti encore un petit peu vite sans faire de vidéo après la dernière. Donc ça a été une bonne journée aujourd'hui. Hein. Franchement j'ai passé une journée tranquille. Voilà, bien agréable. Donc j'ai discuté le soir avec des personnes. Du coup, c'était un petit peu la course pour le bivouac. Donc là que j'ai pas fait vraiment de vidéo. C'était bien sympa. Les photos du vidéo du début chez le bivouac du matin. Un cadre assez sympathique malgré les petits cailloux. Voilà, donc j'ai passé une belle journée. Je suis repassé par la Loire en vélo, chemin que j'ai pu faire du coup le petit bout qui me manquait quoi. Voilà, donc une bonne journée. Donc après vous allez avoir les photos de mon bivouac du soir. Donc oui, c'était un petit peu tard, il y avait un cheval à côté de moi. J'étais pas loin d'une autoroute, par contre ça c'était pas, j'entendais un petit peu les voitures, mais bon ça a été quoi, vous verrez donc le lendemain un petit peu mieux. J'ai fait des petites photos de plein jour, comme d'habitude. En réalité, les vidéos se suivent et elles s'enchaînent quoi. Donc voilà, ça raconte une histoire. Allez, à plus tard.